Alors apparemment je suis en direct, je vais regarder un petit peu ce que ça donne. Hop là. Alors je vais peut-être disparaître. Je suis de retour. Il faut que je manage le chat pendant encore un peu quelques temps, mais c'est pas grave. À Chris qui dit bonsoir, salut. Salut à Chris. Hop là. J'ai encore deux, trois petites choses à faire. C'est normal, hein. Si ça a coupé au début, c'est tout à fait normal. C'est juste que j'avais un petit souci sur ma caméra et je vais essayer d'éviter de cramer trop la batterie. En principe, elle est branchée, donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Mais vous devriez le voir cool. Et on a Toan qui est là, on a Lignobois, on a Mickaël, salut Mickaël. Donc vraiment ce soir on est à la cool, j'ai pas du tout de, comment dire, pas de script, mais de sommaire particulier, à part ce que je vous ai mis sur le. Sur la vidéo, enfin sur le préambule du live, si vous l'avez lu, en gros c'est le son est pas terrible. Suis-je la seule? Mince. Eh ben dites-moi tout de suite, comme ça on va pouvoir régler les choses qui posent problème. Si jamais tu es la seule ou pas, n'hésite pas à dire. Les autres, n'hésitez pas à me dire si jamais ça va pas non plus. Et j'essaierai de voir s'il y a un problème. Peut-être relance la page aussi, c'est possible. Mais du coup, ouais, je suis vraiment à la cool, il y a zéro pression. J'ai pas de soucis de son de mon côté. Ok. Ouais, essaye peut-être de relancer le live du coup à Chris. Ouais, donc vraiment très à la cool. Je me suis fait un petit chocolat tranquillement. Et l'idée en fait de ce live, c'est juste de parler de Berlin. En fait, parce qu'en fait, là-bas, j'ai tourné des choses. Mais très honnêtement, je pensais avoir un meilleur temps que ça, et surtout beaucoup plus de choses à vous raconter sur Berlin. Et le fait est que pendant une semaine, en fait, bah, j'en ai profité, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste que de choses intéressantes à vous sortir en vidéo, j'ai pas grand-chose. J'ai un truc que je peux vous sortir, qui est prévu. Mais après, faire un vlog ou quoi, en fait, je me suis dit que peut-être pas, quoi. Déjà parce que j'aurais peut-être pas le temps de le faire. Et en plus de ça, parce que voilà, je me dis que partager ça en live. Et avoir des discussions directes sur Berlin et l'Argentique. Ça peut être quelque chose de cool. Donc voilà. Petit bonsoir de Lyon, James Gir, Coudéville. Salut James. Le volume est bas. Ah, le volume est bas. Ok. Et eh ben attendez, ça je peux le résoudre ça. Si c'est que ça, le volume est bas. Ah, en fait non, je peux pas le résoudre. Ah, dommage. Pourquoi le son est bas? Parce que j'ai pas baissé ça. Je l'ai pas baissé lui a priori. Propriété. Eh ben non, du coup, ça va pas être. Ah, attendez. Est-ce que c'est mieux? En fait, je pense que vous aviez le son de la caméra. C'est peut-être pour ça. Et du Du coup. coup, je vais tester autre chose. Ah, vous voyez mon écran? Ah mon Dieu! Tac, vous voyez plus mon écran. Si je tente dans propriété et que je me mets. Play. Est-ce que ça marche? On est 8, c'est cool. 7-8. Ton micro est loin sans doute. Est-ce que là c'est mieux du coup? Est-ce que vous m'entendez? A priori, moi j'ai toujours. Enfin, de mon côté, les voyants sont au vert, comme quoi le son est parti. Donc, ah, mieux! Cool! Ça veut dire que vous m'entendez du casque. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne chose. Je vais peut-être repasser en configuration YouTube classique pour que vous voyez en grand. Parce qu'au final, les ch seules choses que je vais vraiment avoir à vous montrer, c'est les photos que j'ai faites là-bas. Je vous ai fait une petite sélection, hein. J'ai pas tout mis, mais en gros, ouais, c'était une chouette semaine. Salut Christophe! Je vais encore temporiser un petit peu, quelques minutes, si jamais il y a quelques personnes qui sont un peu en retard. Il faut que je boive mon chocolat aussi, sinon il va refroidir. Dans cette magnifique tasse Starbucks.
Et ouais, non, vraiment, vraiment une ville très chouette. Malheureusement, j'ai pas eu beaucoup de, enfin, un super temps, quoi. Donc, c'est un peu ça qui était dommage, mais bon, j'en ai quand même profité. C'était pas gênant. Ok, on est une dizaine. Donc, je vais commencer. Il y a un truc que je voulais vous montrer, en fait, avant de vous montrer les photos. Et puis, comme ça, je vais vous mettre sur mon écran. Très bien. Alors lui, je vais le mettre là. Désolé, hein, je me réorganise un petit peu. Donc ça, c'est les photos. Et non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Qu'est-ce que c'est pas bien organisé, c'est fou, hein. Non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais une fenêtre Safari. Voilà, c'est ça que je veux. Et c'est ça que je vais vous mettre ici. Voilà. Alors, par contre, j'ai pas du tout mon retour, donc je sais pas ce que ça donne. Bien. Voilà. Là, en principe, j'ai ce qu'il me faut. Ok, avec OBS juste là. Ok, très bien. Donc là, normalement, vous voyez un maps. Ça change rien, pas grave, je regarderai le replay. Ok, bah écoute, salut à Chris. Si c'est, je suis désolé pour le problème de son, hein, je t'avoue que redémarre ton ordi. Vraiment le conseil de base, t'sais, d'un mec qui sait pas te donner de conseils en technique. Mais ouais, essaye ça peut-être. Je sais pas. Du coup, je sais pas comment vous vous prévoyez vos voyages. Bonsoir Nicolas, as-tu fait le Mauer Park? Le marché aux puces le dimanche est top. Alors, première question. On a voulu le faire. Mais sauf qu'en fait, le Mauer Park, je sais pas quand est-ce que toi tu l'as fait Yann, mais le Mauer Park, en fait, donc c'est un. En gros, c'est un marché aux puces, hein, c'est ce que décrit Yann. C'est un marché aux puces à Berlin qui est connu et d'ailleurs que j'avais mis dans ma liste de choses à faire. J'y reviendrai juste après. Il était là, je crois. Ouais, Mauer Park. Et en fait, bah, en hiver, en gros, c'est juste une brocante un peu nulle, quoi. Alors, j'y suis pas passé, en fait, c'est des gens que je connaissais sur place qui y sont passés parce qu'ils devaient. Ah, le souci vient pas de ton côté. Ben, désolé, je sais pas. Je peux pas te répondre à Chris. Ouais, en fait, en hiver, parce que du coup, j'y étais là au mois de février, il y a beaucoup enfin, les gens m'ont dit qu'en fait, même des Allemands, en fait, sur place, m'ont dit que le marché aux puces de Mauer Park, en fait, c'est mort. L'hiver, c'est mort. Donc, et puis j'ai dû passer à côté de Mauer Park à un moment, et effectivement, c'est très très mort. Donc, en fait, je pense que tu l'as fait en été, et effectivement, en été, ça doit être vachement cool à faire. Malheureusement, bah, j'ai pas pu. J'ai pas pu. Mais ça faisait partie de ma liste de choses à faire. Et du coup, c'est ça que je voulais vous montrer en fait. C'est que je sais pas comment vous vous préparez vos voyages, mais moi je sais que j'ai tendance à faire ça quand je vais dans une ville. Je me note en fait tous les points d'intérêt que je classe un peu. Alors après, il y avait des choses typiquement. Là, c'est bah, ça, c'est un calque que j'ai utilisé pour faire des photos des stations de train et de métro. C'est le truc que je vous disais qui était prêt et qui allait sortir sur la chaîne parce que j'avais fait exprès de filmer là-bas et tout. Et j'ai fait exprès de faire une vidéo à part entière là-dessus. Mais du coup, voilà, là je savais que j'avais des stations de métro que je voulais aller voir pour la vidéo, donc je les ai mises ici. Ici, je me suis mis juste les endroits pour se balader. Donc il y avait le Mauer, il y avait l'île au musée, il y avait le Spree Park, le Rogueland. Alors, excusez ma prononciation allemande assez peu pointue, parce que en fait, l'allemand, j'en ai fait en CE2, et il y a trop de lettres. Il y a trop de lettres, trop de syllabes dans leurs mots, j'arrive pas à prononcer tout. Hop là, pousse-toi petit chat, merci. Donc voilà, donc Temple of, enfin bref, y a plein de choses. Attendez, mon chat fait n'importe quoi, enfin mon chat, celui de ma copine. Hein? Hein, tu fais n'importe quoi pendant mon live? En fait, je passe par là. Oula, j'ai perdu ma souris. Je passe par Maps en fait quand vous avez je sais pas si vous connaissiez hein, moi j'utilise ça de temps en temps et notamment pour les voyages mais quand vous avez des localisations à faire et tout et plusieurs points d'intérêt en fait vous pouvez soit via Google Maps directement dire que c'est un point que vous avez envie de visiter enfin enregistrer le lieu et vous pouvez aussi faire des trucs un peu plus poussés en vous disant bah voilà je sais pas voilà, le Mauer Park, j'ai envie de le faire. Ici, c'était quoi? C'était
Eberswalderstrasse, donc c'était une station de métro. Enfin bref, il y a tous les points d'intérêt ici, et surtout ils sont classés en fait en fonction de ce que je veux faire. Typiquement expo, musée, lieux culturels, je les avais mis là. Tous les lieux touristiques, alors je les ai fait rapidement, hein, mais parce qu'en fait Berlin je l'avais fait il y a une dizaine d'années. Et du coup on était en colo, et en fait en colo on a fait tous les trucs enfin, mainstream entre guillemets, tous les trucs très touristiques. C'était bien, hein, mais c'est juste que voilà, on a fait tous les trucs touristiques, donc voilà, je me suis pas amusé par exemple à rallonger le mur de Berlin. Enfin voilà. Ah bah voilà, le souci c'était la bonnette Living Cat. Non, 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 ça va, il s'est pas couché sur le. Comment? Sur l'appareil photo. Donc voilà, donc j'ai fait. Alors je sais pas si vous avez des réactions dans le chat, dites-moi. Comment vous faites par exemple pour prévoir vos visites. Pareil, je sais que j'avais. En fait, le fait d'avoir une communauté à la fois sur YouTube et sur Instagram, là pour le coup, j'ai plutôt sollicité Instagram. Mais j'ai demandé en fait à des gens aussi qui potentiellement avaient pu vivre à Berlin. Et donc du coup, je leur ai demandé directement en fait les lieux qu'ils me conseillaient pour éviter en fait de passer par juste tous les lieux touristiques et en fait voilà que Google en gros me conseille que des trucs un peu mainstream et pas tellement très, très authentique et très berlinois, quoi. Après, il y avait des choses dans les choses touristiques quand on creuse un peu, en fait, quand on va au-delà de la Porte de Brandebourg, de Checkpoint Charlie, du mur de Berlin, et puis aller d'Alexanderplatz, par exemple. Bah, grosso modo, en fait, il y a des trucs vraiment cool que de mémoire on n'avait pas fait en fait la dernière fois, enfin quand j'y étais allé il y a une dizaine d'années. J'ai fait le musée, le jardin botanique, je vais y arriver, qui est pas mal. J'ai quelques photos à vous montrer là-dessus. Temple of aussi c'est chouette, si jamais si vous connaissez pas du tout Berlin en fait. Temple of initialement c'est l'aéroport en gros qui était vraiment, bah, vous voyez hein, par rapport à la ville, qui était vraiment en plein centre, quasiment en plein centre de Berlin, en tout cas en milieu très urbanisé, là où actuellement les aéroports on a plutôt tendance à les excentrer des villes. Là pour le coup Temple of c'était vraiment l'aéroport qui servait en fait au pont aérien à l'époque. Et qui permettait en gros de rallier, puisque Berlin en elle-même était en axe RDA, et après il y avait toute la partie ouest de Berlin qui était en axe RFA. Et du coup, pour relier la partie ouest de Berlin à la RFA, l'autre partie de l'Allemagne, et ben du coup, il y avait ce pont aérien via Tempelhof. Et en fait, Tempelhof, j'ai appris ça assez récemment en fait en y allant. Il était encore actif en 2008, donc il y avait encore des avions qui passaient sur Tempelhof. Voilà. Bon, après, il y a eu des. Il y a deux autres aéroports en fait à Berlin. Il y a celui-là, là, Berlin-Brandebourg, qui est l'aéroport qui est assez récent en fait, et par lesquels passe tout le trafic aérien. Et là-haut, il y avait, je ne sais plus le nom de l'aéroport, c'était Tegel, c'est ça. Et Tegel, avant, c'était justement, mais il y a encore pas si longtemps en fait, c'était un des aéroports principaux de Berlin. Et depuis que en fait en 2020, ils ont fini les travaux sur le sud du bas en fait. Bah, le suite du haut n'est plus utilisé. En tout cas pour les vols commerciaux. Donc voilà. Et Temple of, donc pour finir sur Temple of, je vous montrerai des photos après. Mais Temple of, ce qui est hyper stylé, c'est qu'en fait, bah, vous avez un aéroport en plein milieu de la ville. Et en gros, les Berlinois, en fait, ont décidé de ne pas reconstruire dessus. Alors après, peut-être que dans 50 ans, je ne dis pas qu'il n'y aura peut-être pas des projets. Mais en tout cas, enfin voilà, l'aéroport est vraiment laissé tel quel. Alors il y a des petits projets qui se rajoutent à droite, à gauche. Des projets citoyens, on va dire, où il y a un semblant de potager, de lieu de squat, un peu, on sait pas trop si c'est des. Voilà, a priori, il y a des pancartes pour nous dire qu'il va y avoir des projets sympas à cet endroit-là. Mais voilà. Donc, Temple of, très très cool. Le jardin botanique, je vous en reparlerai un petit peu après avec les photos. Je crois qu'il y a des questions dans le chat. Et qu'est-ce que tu as préféré de ce voyage, par exemple, mis à part photo impec. Alors, photo impec, très cool. Très très cool. C'est une bonne boutique photo là pour le coup. Les Argenteux sont servis à Berlin. C'est une super boutique avec pas mal de références et notamment la fameuse pellicule. Alors, je sais pas si je l'ai avec moi. Elle est peut-être dans le. Ouais, je l'ai. Elle est là. Avec cette fameuse pellicule. Hop là. Si je vous la mets là, c'est mieux. La fameuse Addox Color Mission. Donc bah pareil. Je vous en ai parlé un peu sur Instagram. Je vous en reparlerai en temps voulu sur la chaîne. J'ai commencé un petit peu les tests sur cette pellicule. Mais du coup, ce que j'ai préféré, en fait, ce que j'ai préféré, c'est pas tellement. Alors, je pense que j'aurais aimé le vivre comme ça, hein, mais ce que j'ai préféré, c'est pas tellement
me balader dans la ville parce qu'en fait le temps était vraiment vraiment pourri et je crois que j'ai eu ouais j'ai eu une journée de vrai beau temps et encore voilà donc du coup je pense que n'importe quelle ville vous la voyez sous du mauvais temps ça donne pas envie quoi et puis surtout en fait c'est juste voilà le fait de se balader d'aller à différents endroits etc c'est pas agréable quoi enfin même sous la pluie enfin je veux dire c'est j'ai l'impression de dire des trucs qui sont obvious mais voilà donc vu que j'ai pas eu un temps top j'ai pas autant profité que ce que j'aimerais de la ville et je pense que en fait aller se perdre dans à peu près n'importe quelle ville c'est cool et moi c'est comme ça que j'aime bien voyager je marche beaucoup 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 quand je suis en vacances en tout cas quand je découvre une ville hein. Et Temple of, j'ai bien aimé. Après, voilà, pareil, encore une fois, Temple of, j'aurais bien aimé le parcourir encore un peu plus, etc. Aller peut-être voir au niveau de l'aéroport et tout, mais enfin, des anciens aérogares. Mais typiquement, voilà, en fait, on y est allé un après-midi, je sais plus, un samedi après-midi, quelque chose comme ça. Et en fait, il y avait un vent de malade, il faisait super froid. Et du coup, avec ma copine, on y est allé, mais on n'est pas resté très très longtemps, parce que tous les deux, on était glacés. Donc voilà, mais après il y a plein de ouais le quartier Kreuzberg est cool. Effectivement, on me l'avait conseillé. En fait, du peu que j'en ai vu, parce qu'au final j'y suis allé, mais voilà, il y a des coins que j'ai vus sous la flotte, donc c'est pas terrible. Et je pense que sous le soleil, il y a vraiment des quartiers qui sont très très jolis et en plus à photographier. Donc Kreuzberg, j'ai bien aimé. Le jardin botanique, j'ai bien aimé, mais ça, c'est une obsession que j'ai, moi, pour les jardins botaniques. Je trouve ça hyper kiffant pour aller se balader et prendre des photos. Ça, voilà. Un truc que je regrette de ne pas avoir fait, c'est le stade olympique. Parce qu'il était un peu trop loin de là où j'étais. En gros, on était logé par là. Où est-ce que c'était? On était logé ici à Pop. Merde. Comment ça se dit? À Paulstrasse, oh, c'était facile en fait, à Paulstrasse. Donc on était sur cette rue-là. Et donc en fait, voilà, les Tiergarten et tout ce qui était un peu intéressant se situait plutôt par là et pas tellement de l'autre côté. Mais c'est vrai que j'aurais pu éventuellement pousser pour y aller. Mais c'est un petit regret. Après, voilà, j'y ai passé une semaine. J'étais pas à 100% tout le temps à bouger, à visiter. Il y a d'autres moments où je profitais, je fais des petites soirées, bah, forcément, quoi, comme tout le monde. Mais par contre, voilà, tout ce qui est, par contre, tout ce qui est point, en fait, toute la partie vraiment historique de Berlin, donc avec la porte de Brandebourg, l'ancien palais du Reichstag, enfin, le palais du Reichstag, je sais pas si c'est l'ancien ou le palais du Reichstag. Pareil, le zoo, je l'avais fait aussi à l'époque, enfin, bref, tout plein de trucs. Le checkpoint Charlie, je suis repassé quand même pour passer devant, mais en vrai, voilà, je suis pas resté 1000 ans sur Checkpoint Charlie, c'est un truc que j'avais déjà vu, et pour moi, il y a vraiment autre chose à aller voir à Berlin. C'est ça aussi que je trouve, enfin, qui est pas mal, et c'est pour ça que je comprends mieux en fait la phrase de Berlin, faut y vivre pour vraiment apprécier la ville. Parce qu'effectivement, il y a plein de choses à aller chercher à Berlin, mais en fait, faut y passer du temps. Faut y passer, alors, d'un, faut y passer du temps, connaître éventuellement quelques personnes sur place. Là, c'était le cas, mais bon, voilà, j'avais pas non plus, je n'avais pas tout le temps avec moi, donc voilà. Mais déjà, il faut passer du temps, éventuellement connaître des gens qui vous amènent dans des coins sympas, parce qu'il y a vraiment pas mal de choses. Si vous aimez l'urbex, moi j'ai vu plein plein de sites d'urbex, après je ne suis pas forcément allé moi, mais j'ai vu plein de sites d'urbex à Berlin, même en m'y baladant. Et franchement, si vous adorez l'urbex, il y a moyen de vous faire vraiment plaisir. Et c'est vrai que c'est une ville, en fait, de ce que moi j'en ai ressenti, hein. Je ne dis pas que c'est la vérité vraie. Mais en fait, ils ont beaucoup. Historiquement, en fait, c'est tellement lourd et tellement chargé de. Bah voilà, sur le nazisme, sur. J'espère que je peux pas me faire striker avec ce live. Mais voilà, sur des thématiques assez lourdes et assez graves. Très graves même. Qu'en fait, vous avez voilà, un peu l'omniprésence de la guerre, de la déportation, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu. Et c'est vrai que. Enfin, et la guerre froide aussi, parce que du coup, Berlin a beaucoup souffert de la guerre froide aussi, coupé en deux. Enfin, je veux dire, c'est assez violent. Et quand on y pense, en fait, ça fait que il y a à peine une trentaine d'années que le mur est tombé. Enfin, le mur, oui, le mur est tombé. Donc du coup, voilà, c'est une ville qui renaît un petit peu quand même, mais qui a encore ce passé pas évident à gérer, quoi. Donc voilà, donc toute la partie ouais, historique, je la conçois, je l'ai déjà un peu faite. Mais du coup, j'avais plutôt envie de m'orienter sur voilà, le nouveau Berlin, entre guillemets, ce que les Berlinois faisaient. Essayer de m'immerger un petit peu, et c'est ça que je trouvais intéressant. Donc voilà pour te répondre. Salut, j'utilisais aussi Maps pour référencer les spots photos, mais je suis passé sur une autre appli qui me correspondait plus.
Ikuzo, Ikuzo App, je sais pas comment tu dis, Ikuzo, Ikuzo, je ne connais pas. Ikuzo App. The Map Editor. Ok. For Travelers. Oh, c'est cool ça. Et je connaissais pas, écoute. The Map Editor made specially for Travelers. Influencers and other content creators. Ah, d'accord. Ah oui, c'est pour les influenceurs alors. Ouais, bon, ok. J'irai voir. Enfin, un mot de passe et tout. Mais ok, bah, je me le garde de côté, écoute. Merci pour le conseil. La piste même de Tumbleoff est utilisée fréquemment pour des épreuves de course automobile Formule E par exemple. D'accord, ok. Il n'a pas annoncé son passage à Foot-en-Impec à l'avance pour pas être noyé sous les commandes des followers voulant tester la doxa. Non, en vrai, ça va. Bah, 12 balles la péloche, les gars, je vous aurais pas avancé beaucoup. Hein, parce que clairement, ça fait cher. Après, c'est un projet que moi j'estime qu'il pas qu'il faut, mais que moi j'estime devoir soutenir. Après, voilà, c'est pas. C'est un film couleur. Après, j'en attends pas à voir des trucs formidables, mais s'ils peuvent faire un petit peu d'ombre à Kodak et leur permettre de pas faire n'importe quoi avec les prix, moi ça me va. Parce qu'en fait, derrière, ce que je trouve dommage avec la hausse des prix, enfin, on change de sujet là, mais ce que je trouve dommage avec la hausse des prix de Kodak, c'est que, en fait, je pense que ça va décourager beaucoup de gens à faire de la couleur. Ou alors les gens s'en rendront même pas compte et se diront, ah bah oui, c'est ça le prix normal, et puis voilà. Mais je trouve ça dommage parce qu'en fait, malgré tout, ça prive quand même une partie des gens qui veulent faire de la couleur, moi compris, parce que très honnêtement, payer 15 balles ou 16 balles une Portra 400, je vous cache pas que bah, c'est plus dans mon budget en fait. Payer 7-8 balles une péloche, ok, la payer 15, c'est chaud, franchement c'est chaud. Comment ça être froid chocolat? Mais du coup, oui, je trouve ça bien que en fait, il y a Orvo aussi. Mais Orvo, je me suis pas trop penché parce que je me suis penché sur Addox. Mais apparemment, Orvo font la même chose aussi. Il y a Baptiste de MJK qui a fait une vidéo là-dessus. Si jamais ça vous intéresse, pour aller voir, pour aller vous expliquer et comprendre en fait le renouveau un petit peu qu'il y a dans le marché de l'argentique et notamment sur des projets de films. Donc il y a Orvo et Addox. Donc Addox avec ce film couleur. Et pour la petite histoire, pour vous résumer, là vite fait, Addox, en gros, c'est Addox qui avait voulu relancer une émulsion couleur. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils se sont retrouvés un peu mal parce que le fournisseur, il faisait pas tout seul. Mais en gros, le fournisseur qu'ils avaient, qui couchait les films, a fait faillite. Et donc, du coup, bah, en fait, ils se sont retrouvés sans coucheur. Mais ils avaient du stock. Donc, en gros, ils se sont dit, bah, vu qu'on a du stock. On va annoncer qu'on a un nouveau film, on va le vendre. Et comme ça, en fait, ça va potentiellement, vous le vendre un peu plus cher aussi, mais potentiellement, ça va pouvoir financer d'autres projets. Enfin, pas d'autres projets, mais d'autres des projets de recherche, en fait, d'un nouveau coucheur, quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai acheté deux. Clairement, j'en ai acheté deux, mais voilà, c'est aussi pour le soutien de la Portra, j'en achèterai peut-être qu'une. Je vais pas aller craquer mon slip, voilà. Donc, voilà, une pellicule à voir. Là, pour le coup, j'ai vu quelques résultats, mais vraiment genre 3-4 photos. Donc, je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Je m'attends pas forcément à un film exceptionnel, mais dans tous les cas, si jamais d'ici 2-3 ans, ça arrive à mettre un peu, c'est pas du plomb dans l'aile, mais un peu calmer les ardeurs de Kodak sur le côté, bah allez, c'est bon, on se lâche, on a le monopole et on met les prix qu'on veut, à peu près, c'est pas plus mal. Salut, alors Berlin, c'était cool. Bah, je réponds à ta question au fil du live. Et Florian L. Tous les bars proches de l'ancien mur de Berlin sont cool aussi. Ouais, je suis passé aussi dans ces coins-là. C'est une ville en ruine, clairement. Tu as fait un test de la Color Mission. Oui, il y a un test de. Alors, oui, c'est une ville en ruine. Enfin, c'était une ville en ruine. Et oui, je vais faire un test de la Addox Color Mission. Oui, quand même. Payer 24 balles pour des films que je connais pas, je considère que c'est quand même plus intéressant de ne pas garder les résultats pour moi et de vous en faire profiter sur la chaîne. Voilà, donc c'est aussi pour ça hein, que je. Enfin, c'est pas que pour ça que je l'ai acheté, mais clairement, si j'avais voulu l'acheter juste pour moi, je pense que j'en aurais pris une. Là, pour la chaîne en général, quand je fais des pellicules de test, la plupart du temps, j'essaie d'en prendre deux parce que je me dis, ok, je la teste moi de mon côté, et si jamais je veux pousser certains points, la tester plus sur du portrait ou du paysage ou de la street photo, ou faire des tests avec, typiquement, dire, bah voilà, je fais trois photos, j'en fais une sous-ex, une sur-ex, une normale et une surexposée, qu'est-ce que ça donne, comment ça réagit, etc. Moi, il me faut un peu de matière, quoi. Juste, tu me files une pellicule pour faire un test. Oui, je peux faire un test, mais bon,
Honnêtement, je préfère quand même avoir un petit peu plus de matière. Mais du coup, oui, c'est prévu de faire un test. Et puisqu'on parlait de ruines, un truc qui est vachement cool à faire à Berlin, et ça me permet de répondre à Louis qui me posait la question de ce que j'avais préféré, un des trucs que j'ai vraiment kiffé, c'est les souterrains. Alors les souterrains, c'est ici. Alors vous en avez plusieurs, en fait, c'est les Attends. Underwilton. Ah, c'est pas ça. Je sais plus comment ça se dit en allemand. Souterrain, Berlin. Unterwelten, pardon. J'étais pas tout à fait à ça. C'est pas le site officiel de l'assaut. Si je le retrouve. Je sais pas pourquoi j'ai pas le. Si je mets Unterwelten. Ah, c'est ça que je voulais. Voilà. Donc en fait, là, vous avez, c'est une asso qui fait des visites de souterrains, d'anciens bunkers, etc. Salut Leïté. Leïté? Je ne connaissais pas ce mot. Mais je pense que c'est un pseudo du coup. Donc c'est une association donc, qui est vraiment financée par personne d'autre que vos tickets d'entrée. Et qui du coup sont des. Hop là, si je me mets en français, ce sera peut-être plus cool pour tout le monde. Et qui permet donc des visites de ces endroits-là, donc encore une fois, qui rapportent quand même à des trucs assez lourds dans l'histoire de Berlin, mais qui sont vachement instructifs. Pour le coup, c'est vraiment des visites qui sont cool. Il y a des visites en anglais, en allemand forcément, et en espagnol, je crois. Visite guidée, visite publique. Hop là. Enfin, je vous laisserai aller voir sur le site. Nous, on a fait le tour. En fait, moi, je voulais faire plutôt la partie guerre froide. Et en fait, on s'est retrouvé. Enfin, les seuls créneaux qui étaient disponibles. Voilà, ça, c'est les souterrains. Ah bah, PA. Salut, PA. Ah oui, les souterrains de la sécurité civile, j'y suis allé. Bah, en fait, voilà, c'est des souterrains avec bah, des parties d'anciens bunkers, etc. Donc, c'est vraiment cool à faire, surtout avec les guides. Parce que du coup, ils vous donnent plein d'anecdotes. Alors, moi, ce que j'ai trouvé vraiment bien sur ce truc-là, c'est que. Je m'attendais à un truc un petit peu pesant. En vrai, ça allait. C'est-à-dire qu'il y avait des phases où clairement, t'avais pas envie de rire. Et il y avait des phases où, bah voilà, c'était des anecdotes sympas, alors pas que des anecdotes sympas, mais comment dire, des aspects techniques en fait qui sont relatifs au souterrain. Je pense notamment, par exemple, ils ont des. Alors, je sais pas si ça se voit, si ça se voyait sur la photo de tout à l'heure. Voilà, en gros, ils ont des parties en fait avec de la peinture blanche là. Et en gros, quand on commence la visite, la guide nous a dit surtout, touchez pas à ces peintures-là, c'est toxique. Je fais, ok, d'accord, bon bah touche pas, ok, la peinture est vieille, peut-être que c'est juste ça. Et en fait, plus loin dans la visite, elle te dit, bon, je vous ai dit de pas toucher à la peinture, mais il y a une raison pour ça. C'est parce qu'en fait, la peinture, elle est toxique à cause du phosphore. Et en fait, pourquoi il y avait du phosphore dans ces peintures? C'est pour tout simplement, si jamais il y avait une coupure d'électricité, que en gros, donc je sais pas si tu as vu une peinture phosphorescente, mais en gros, quand on éteint et qu'on met à la, qu'on, après avoir mis à la lumière, bah, ça fait de la lumière. Enfin, le matériau en fait de peinture avec via le phosphore produit de la lumière. Et donc c'était pour éviter, enfin c'était pour que en cas de coupure de courant, en fait, ils aient encore tout ce qui est partie accès accessibilité. Donc, pour pouvoir se repérer dans le noir, et aussi pour que bah, certaines salles étaient peintes intégralement en blanc, ce qui permettait en fait, c'était des salles de télécommunication, des choses comme ça, pour que les gens, pour que les opérateurs puissent encore à peu près lire ce qu'ils avaient. Donc après, l'effet s'estompe, et de toute façon, la peinture a, je sais plus, 80 ans, un truc comme ça. Donc en vrai, voilà, elle tient pas beaucoup. C'est-à-dire que l'autre, enfin, la guide, elle est avec sa lampe, elle te dessine un bonhomme sur le mur, et puis bon, au bout de 5 minutes, le bonhomme, il n'y est plus, quoi. Enfin, voilà. Mais dans l'idée, ça marche, enfin, a priori, ça marchait plutôt bien à l'époque. Donc voilà, c'est tout un tas de choses comme ça. Moi, il y a un truc aussi qui m'a vachement marqué, c'est pour ça que j'ai pensé aux ruines, c'est que, en fait, à la base, Berlin est construit, donc c'est quand même assez énorme, mais Berlin, en gros, est construit sur un marécage, en fait. Donc assez plat. Et en gros, après la guerre, il y a eu énormément de bâtiments détruits. C'est pour ça que ville en ruine, effectivement, il y a certains bâtiments qui font un peu la tronche. Et notamment après la guerre, en fait, il y avait bah, plein d'amas de bâtiments qui étaient au sol, quoi. Et en fait, ça a tellement été bombardé que bah, certains gravats, ils les ont juste laissés là. Donc en fait, les collines que vous avez actuellement à Berlin sont
issue de ces bombardements, de ces bâtiments qui se sont effondrés. Et du coup, bah, ça a créé en fait le fait que Berlin soit moins plat qu'avant. Voilà, donc je vous ai juste cité deux anecdotes comme ça. Après, je ne vais pas vous faire toute la visite non plus, mais en tout cas, c'est très très cool. J'ai pas fait du coup les autres tours parce que on n'avait pas forcément nécessairement le temps. Puis je voulais pas passer ma vie dans les souterrains non plus. Mais c'était très très bien à faire. Si je revenais à Berlin, je pense que j'essaierais de faire le tour sur la guerre froide, potentiellement. Louis, les souterrains de Berlin-Est prévus pour les conflits nucléaires avec le matos soviétique, ça fait un peu flipper. Ouais, j'imagine, ouais. Mais je pense que tu dois même pouvoir en fait accéder à des souterrains hors guide, et je pense que tu te fais une petite séance d'urbex et tu tombes sur un ancien bunker. Je pense que ouais, ça peut faire flipper, ouais, tu m'étonnes. Mais voilà, en tout cas, c'est une visite qui est très bien. Alors elle est un peu chère, je sais qu'en tarif réduit, elle doit être à 13 balles, je crois. Et en tarif normal, comme j'ai payé, elle était à 15 euros. C'est cher. Mais quand on sait que les autres sont pas finan enfin, que ceux qui organisent ça sont pas subventionnés, sont pas financés par quiconque, par du privé ou du public, bon, on se dit qu'au final, bon, c'est quand même important. Et moi, je sais. Ah bah tiens, on la voit là. Je suis en train de regarder en même temps les photos. On la voit, la peinture blanche là, qui est phosphorescente. Donc oui, vous imaginez que vaut mieux pas mettre les doigts et se frotter le nez après, pour le coup. Voilà, donc ça c'était un des trucs cool aussi que j'ai pu faire à Berlin. Et puis si je prends la carte, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait pas mal de photos, je vous les montrerai après, mais j'ai fait quelques photos aussi donc sur des stations de métro. Un truc que j'ai trouvé très très cool aussi, alors je pense que ça va se voir là, ouais, ça va se voir ici. En fait, quand vous arrivez de l'aéroport, hop là, je vais le prendre, l'aéroport est là. En gros, donc vous avez les S-Bahn, les S et les U. En gros, vous suivez ça, les S et les U. À Berlin, et en gros vous avez soit le S-Bahn soit le U-Bahn, et alors les termes je les ai pas retenus, S veut dire quelque chose et U veut dire quelque chose, mais je sais plus. Et en gros le U ça correspond grosso modo au métro qu'on pourrait avoir dans les villes françaises, et le S correspondrait au RER parisien en gros. Et en fait donc les S-Bahn donc elles parcourent vraiment la ville de part en part. Les U, c'est un peu pareil, mais ils vont un peu moins loin, c'est pour ça que la comparaison est là. Et ce qui est très très cool, c'est que il y a le S9, en fait, le S9, qui passe depuis l'aéroport et qui en fait vous amène, donc il vous remonte vraiment comme ça. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais en gros, il vous remonte vraiment comme ça. Et il y a une grosse partie, en fait, la quasi-totalité en fait, de la S9, elle est aérienne. Et ce qui est très très chouette, encore une fois, c'est que bah vous visitez Berlin. Je vous rappelle, on était par là avec notre Airbnb. En gros, vous passez là et en fait, vous visitez. Là, c'est le centre vraiment historique de Berlin. Là, tout ce que je vous montre ici, là, c'est le cœur de la meule, on va dire. C'est là où il y a le plus de choses. Et en gros, vous passez vraiment. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le tracé du train, mais en gros, là, il vous fait passer là. Il vous fait passer à Alexanderplatz. Vous avez là. La tour de la télé de télécommunication ici. Là, vous avez le Berliner Dom, vous le voyez. Là, vous avez la Friedrichstrasse. Après, il y a la gare centrale de Berlin. Enfin, bref, vous voyez à peu près tout. Et vous pouvez même continuer. En fait, si vous continuez, après, vous avez le Tiergarten et vous avez le zoo. Donc vous avez même accès. Et le musée de la photographie, ça aussi, il faudra qu'on en parle. Mais le musée de la photographie, je l'ai fait. Et pareil, on le voit depuis le train qui est en aérien, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est un des points qui m'a vraiment bluffé et que j'ai trouvé ça vachement bien. En fait, on a quasiment un train qui vous fait la visite de la ville en aérien et c'est vraiment chouette. Moi, j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de la ville. Alors, la raison pour laquelle ils ont construit des trains aériens plus que souterrains, je ne saurais pas vous dire. Il y a sûrement une raison technique à ça. Ah, merci. Le S-Bahn, c'est le. Ah, je ne vais jamais y arriver. Le Stadtschellenbahn. Et le U-Bahn, c'est le Untergrundbahn. Ouais, bah Unter, ouais, ça doit être ça. Ouais, en fait, c'est peut-être presque underground, ouais. C'est ça. Mais le Stade. Putain, j'arriverai jamais à le dire. Hein. Le Stadtschellbahn. Stadtschnellbahn. Stadtschnellbahn, ça doit être ça. Merci en tout cas, Louis. C'est sympa de me filer un coup de main sur ce live. Voilà, donc ça, très très cool. Et dernière chose que je vais vous montrer, peut-être avant de vous montrer les photos, c'était du coup le. Enfin, de vous parler surtout, c'était le musée de la photo. Alors là, j'ai pas forcément d'image de l'intérieur, je pense que ça, je le réserverai à une vidéo sur Helmut Newton, parce
que du coup j'ai un bouquin à lire sur Helmut Kohl, enfin à lire, j'ai un bouquin qu'on m'a offert à Noël, que j'avais demandé accessoirement, et c'est sur Helmut Newton, donc j'ai commencé à le lire, j'ai pas encore fini, mais très probablement qu'en fait la visite du musée et la lecture du bouquin feront une vidéo sur la chaîne sur Helmut Newton. Rien sur moins cher et comme la vie était détruite, plus simple. Ouais, en fait c'était mon hypothèse. Ah, Florian L, c'est Florian. Florian les gens bizarres. J'ai pas capté Flo. Mais oui, du coup, oui, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, effectivement. Après, il y a quand même un métro, donc je sais pas trop comment ils ont résolu le truc. Mais effectivement, si une bonne partie de la ville était détruite, en fait, oui, enfin, tu peux te permettre de construire tes avenues et de penser en gros ton moyen de transport, enfin ton train en aérien, quoi. Et l'ensemble de ta ville, en fait, orienté autour de ça. C'est surtout parce que la ville est truffée de souterrains, donc mettre aérien plus pratique et plus safe. Ok. Dac. Et ben, c'est parfait. Voilà, ça se complète, très bien. Du coup, le musée de la photo, pour terminer, avant de vous montrer les photos, c'était sur. Nope. Ah non, Florian, elle. Eh ben, c'est pas le même Florian auquel je pense. D'accord, bon, bah écoute, tant pis. le musée de la photo, je vais y arriver. Très, très. Musée très, très sympa. Surtout sur la partie Helmut Newton. En fait, il y a une autre partie au deuxième niveau qui est dédiée à la. Alors, je pense que c'était une expo temporaire, je suis pas sûr, mais c'était une expo en gros sur des photos faites pendant des représentations théâtrales. Et je vous avoue que cette partie-là, je crois que j'ai dû passer 5 minutes parce que globalement, voir des photos d'opéra, enfin des photos numériques de représentations, ça m'a pas plus touché que ça. Donc en fait, je suis passé très très vite. Ce qui est très drôle aussi, c'est que au deuxième étage de ce musée-là. En fait, il y a une espèce de chambre noire. Alors, je pense qu'ils doivent donner des cours aussi de photos et de tirages. Et en fait, moi, direct, bah forcément, ça a attiré mon œil. Donc, je me suis dirigé tranquillement là-dedans. Je me suis intégré. Visiblement, il y avait un petit groupe. Hop là, je me suis intégré. Puis, au bout d'un moment, en fait, il y a deux, trois personnes qui sont intégrées en même temps que moi. Et je crois que ça s'est vu. Et du coup, il y a un. Si, gens bizarres. No problem. Ah, d'accord. Moi, je croyais que tu avais écrit nope, mais sans le O et le E. Et donc ouais, j'ai essayé de m'incruster et du coup, en fait, on s'est fait virer. Salut BG, la pose d'Harold. Harold est dans la place. Bonjour Harold, comment ça va? On parle de photos et de Helmut Newton. Les photos numériques. Dirais que ça parle mal. Et donc ouais, on s'est fait virer en fait en allemand en plus, donc vraiment ça, tu te vires en allemand, ça calme. Et voilà, j'ai pas pu re-rentrer dans ce truc-là. Mais apparemment, il y avait un espèce de cours. Alors, ça m'a fait rire parce que du coup, les mecs, globalement, ce que j'ai compris, c'est non, non, mais c'est un cours privé seulement pour un groupe, machin. Et je pense qu'en fait, j'ai pas compris ce qu'ils disaient en allemand, mais je crois que ce qu'ils étaient en train d'expliquer, j'étais capable de le comprendre, donc ça m'a fait sourire. Mais voilà. Et du coup, la partie Helmut Newton, très très bien. Enfin, pas fou, j'ai pas trouvé très fourni en termes d'explication. C'est-à-dire que c'est vraiment le musée qui fait la part belle aux photos et pas tellement. Ça fait pas. C'est pas musée. C'est pas tellement musée type. Voilà, il y a des tonnes de panneaux, des tonnes d'écritures, des tonnes d'écriteaux, etc. Et qui vous donne du détail sur la vie du gars. Mais oui, on parle de Berlin. Mais Helmut Newton est berlinois, si je ne dis pas de bêtises. Donc ouais, le musée est très très cool, avec une bonne partie, ouais, justement, avec des photos de l'artiste en super grand. Moi, il y a un truc qui m'a bluffé, je vous l'avais partagé sur Instagram d'ailleurs, je crois. C'est vous rentrez, il y a un hall et il y a quatre photos en format portrait de femmes nues. Direct dès que vous rentrez dans le hall, après vous montez l'escalier, vous avez le niveau et du coup vous avez les photos bah, à votre niveau quoi. Et les photos sont immenses, elles sont magnifiques et voilà. Et tu te poses comme ça, tu fais waouh! Donc voilà, c'est très très chouette. J'aime pas tout de Newton, des fois il part dans des délires un peu particuliers, mais et c'est un photographe en fait que au tout début quand j'ai commencé la photo, c'est vrai que j'ai eu du mal. Quand on m'a dit ah, Newton il est incontournable machin, j'ai regardé des photos de lui et je me suis dit,
je comprends pas. Et plus j'avance, et plus effectivement, je trouve ces images très cool. Et d'autant plus quand on comprend un petit peu son histoire, qu'on commence à voir un petit peu comment il a évolué, ce qu'il voulait décrire dans ses photos, etc. C'est bon, j'en ai vu qu'une petite partie, mais le bouquin que j'ai normalement devrait me donner plus d'infos et devrait vous en donner aussi dans la vidéo du coup qui devrait arriver avec ça. Si vous n'avez pas de questions immédiates, je pense qu'on va passer directement à la partie photographie. Comment je peux... Oh, je vais les mettre sur aperçu. Ça sera mieux. Tac. J'ai failli vous faire un truc genre... on découvre mes photos argentiques venues du labo. Ah merde, il les a mis dans l'autre sens. Ah oui, il les a pas du tout classés en fait. Hop là, attends. Comment il m'a fait ça lui? Bah si, pourtant elles sont classées. Bon, c'est pas bien grave. On va commencer par ça. Ah, mais si, remarquez, elles sont peut-être classées en fait. Donc, oui, j'ai failli vous faire une vidéo un peu type on découvre les photos du labo, et puis finalement, en fait, j'ai pas voulu. Donc là, c'est quelques photos. Alors, je vous les commande pas forcément, hein, mais c'est quelques photos prises au niveau de l'île au musée. Donc, où, en fait, vous avez une concentration assez importante de monuments et de musées, forcément. Il y a beaucoup de choses sur l'Antiquité. Si vous êtes fan d'Antiquité, moi, ce n'est pas mon délire, mais voilà. Bah, typiquement, ce lieu-là, je crois que à droite, là, vous avez un musée, je ne sais plus quelle période de l'Antiquité. Là, vous en avez un deuxième qui est un peu plus proche. Enfin, bref, il y a de quoi faire. Si vous aimez les musées, c'est d'ailleurs ce qu'on m'a conseillé. Hein, quand les gens ont vu le temps tout pourri, en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait. Ouais, bah, va faire les musées, hein, ça sera mieux. Mais vu que j'avais pas envie d'aller m'enfermer dans des musées, j'ai ciblé ceux que je voulais faire. Et puis... Donc, ça, c'est Temple of. Donc, pris avec le. Là, les photos que je vous montre pour l'instant, c'est pris au Konica. Donc, là, voilà, grande piste. Et vous voyez, alors, je sais plus si j'ai une photo. Donc, ça, c'est la photo de devant la piste. Et ça, c'est la photo derrière. Donc, vous voyez que vous avez encore. Enfin, vous avez bien des immeubles qui sont de chaque côté. Il doit y avoir une vue très très sympa de là où ils sont, les gars. Mais voilà, c'est vraiment, on est sur une piste d'aviation. Et voilà, donc je crois qu'il y a deux pistes en tout. Une sur, il y en a peut-être une deuxième en parallèle, j'ai pas bien vu, mais voilà. Donc le truc est assez énorme, hein. C'est pour s'y balader, voilà. Vous pouvez passer un petit peu de temps. Donc ça, toujours au Konica, c'est une photo que j'avais faite dans le métro le premier soir, je crois, où je suis arrivé. Voilà, à la station. Je vais y arriver. Glyce Dry. Je sais plus comment elle se dit. Glyce Dryek. Voilà. Qui est une très très belle station. Et qui est une station qui se croise en fait. Il y a le métro qui passe dans un sens, l'autre métro qui passe dans l'autre sens. Et la station est très très jolie. Mais bref. Ça fait partie des stations remarquables de Berlin. Voilà, et celle-là, j'ai d'autres photos où je l'ai prise de jour quand il y avait une belle lumière, et là, franchement, c'est beau. Pour ça qu'on parle de Berlin, île au musée. Ouais, c'est ça. C'est île au musée. Alors, ça, c'est le. Là, on attaque les photos au même IA, du coup. On retournera sur le Konica avec lequel j'ai shooté de la D3200. Donc, voilà, des photos du jardin des plantes. Chose assez rigolote, enfin, rigolote, sur le jardin des plantes. C'est que il y a deux choses à savoir dessus. La première, c'est que en fait, si vous prenez pas vos tickets sur internet, en gros, l'entrée vous coûte, donc l'entrée juste du jardin botanique vous coûte 6 balles. Ok? C'est ce que j'ai fait. Je suis rentré, j'ai payé 6 balles. Et en fait, si vous voulez faire les serres, il faut prendre les tickets sur internet. Je me suis rendu compte de ça quand je suis arrivé devant la serre. En plus, en pensant que c'était vraiment fermé, parce que très clairement, payer 6 balles pour faire le jardin en hiver, c'est pas une bonne idée. Clairement, là, j'ai manqué de pif. Mois de février, pour faire un jardin botanique, globalement, les mecs, ils retournent de la terre. Donc, il n'y a vraiment rien à voir. Franchement, il n'y a vraiment rien à voir. Voilà, payer 6 balles, c'est un peu cher. Par contre, les serres, elles, de toute façon, toute l'année, on peut aller les voir. Elles sont maintenues en température, et bien maintenues en température, croyez-moi. Et donc voilà, donc je me suis rendu devant les serres, et là le gars baragouine en anglais parce qu'il parle pas tous très bien anglais. Et donc pour se comprendre, il finit par me dire bah voilà, faut les tickets sur internet. Donc je me dis ok, bon bah tant pis, j'ai payé une entrée en trop, et puis bah
ils vont me faire payer une entrée, un supplément ou un truc comme ça. Et en fait, je vois sur internet que l'entrée serre plus jardin, donc moi j'avais déjà payé le jardin, ça valait 6 balles. Et j'ai pas compris. Parce que si tu me fais payer les deux, je sais pas moi, 8 balles ou 9 balles ou 10 balles, je comprends. Parce que du coup, il y a le jardin plus les serres. Mais là, littéralement, les deux coûtent la même chose. Je comprends pas pourquoi à l'entrée, on peut pas prendre des tickets pour les deux. Bon, bref. C'est un truc qui m'a dépassé. Donc ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième anecdote, pareil, je vous l'avais partagé sur Instagram aussi, c'est que quand je suis rentré dans la serre, oups, là, on se calme. Je n'ai plus d'image, mais c'est normal parce que la batterie a plus de jus. Donc je reviens. Je reviens, je reviens. Normalement, vous m'entendez toujours. Si vous ne m'entendez plus, c'est qu'il y a un problème. C'est cool, en tout cas, ça fait plaisir, vous êtes toujours là. Même s'il n'y a plus d'image, je reviens. J'ai encore pour une petite minute le temps de rebrancher tout ça. Et de relancer la caméra. Hop là. C'est. Ah mais non, en fait, vous avez toujours l'image, je suis bête. Vous avez toujours mon écran qui diffuse. Donc c'est bon. Allez hop, je pense que l'image devrait revenir d'ici 1 ou 2 secondes. On t'entend fort et clair. Oui, c'est ok. Hop là, et normalement, sous vos yeux ébahis, je devrais réapparaître bientôt. Enfin, en principe, j'ai déjà réapparu, c'est juste moi, je vois le retour et c'est noir. Du coup, je vais continuer en fait à vous décrire la deuxième anecdote que j'avais, qui était. Voilà, c'est bon, je suis revenu. C'est Spen qui a débranché le câble de l'appareil. Non, 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 c'est. En fait, c'est juste que l'appareil que j'ai, le Sony ZV1, il est très bien. Mais pour le live, le problème c'est j'ai essayé de le brancher avec le câble en externe pour continuer un peu à le charger pendant qu'il y avait le live. La batterie était pleine. Mais le truc c'est que la batterie s'est tellement épuisée que en fait bah, l'appareil a coupé. Et autant sur le Sony que j'avais avant, le A6000, j'avais une alimentation externe. Donc en fait, il n'y a rien qui pouvait. Éventuellement, l'appareil qui chauffait qui pouvait faire couper le boîtier. Mais là, le problème c'est que bah, la batterie elle tombe en rade. Faut que je débranche parce que forcément, ils ont fait une trappe nulle. Où tu peux pas le mettre sur trépied en changeant la batterie en même temps, c'est pas possible. Donc il faut que tu enlèves le boîtier, il faut que tu sortes le truc, tu changes la batterie, que tu le remettes. Ça prend 1 minute, mais bon, c'est un peu dommage, ça coupe un live. Mais bon, en principe, là, je pense que ouais, peut-être, sauf si vous avez plein de questions, mais je pense que une fois que je vous aurai montré les photos, on va pas non plus s'étendre énormément. Mais voilà. Et donc, du coup, j'étais en train de vous dire. Qu'il y a une deuxième anecdote dont je vous avais parlé sur Instagram, qui est que en fait, j'ai fait en gros 20 minutes en extérieur par une température proche de zéro, en gros, avant d'arriver au jardin botanique. Donc, mon appareil, le Mamiya, était sorti et froid, vraiment froid. Et quand je suis arrivé dans la serre, je suis allé dans. Je ne savais pas, mais je suis allé du coup dans une des serres les plus chaudes de la serre. Parce que tout est séparé en plein de petites serres. Et en fait, instantanément, l'appareil, rempli de buée, donc sur l'objectif, oui, sur l'objectif, tout le corps de l'appareil était. Enfin, clairement, tu pouvais passer le doigt, il y avait de l'eau, quoi, enfin, clairement. Le ZV1 qui me filmait à ce moment-là, je ne pouvais plus rien faire. Moi, j'ai des lunettes. Laissez tomber, je voyais plus rien, donc alarme partout, je suis ressorti. J'ai essayé d'essuyer ce que je pouvais avec des mouchoirs que j'avais sur moi et tout. Et le temps que l'appareil remonte vraiment en température, bah, je me suis tapé de la condensation pas mal. Et du coup, j'ai voulu faire un test, je pense qu'on le voit là. J'ai voulu faire un test en fait de voir si, en gros, sur le Mamiya, vous avez donc un dos qui est détachable. Et en fait, je me suis vu que la vue elle était pas exposé, mais enfin, je veux dire, potentiellement il y a de l'humidité qui pouvait s'infiltrer. Je me suis dit, tiens, ça va être intéressant de voir si je prends une photo. Donc, ça, c'est la photo que j'ai prise immédiatement, enfin, pas immédiatement, mais un peu après être resté dans la serre. Et en fait, je vois pas. Alors, il y a du flou ici, mais parce que j'étais ouvert à 2,8 de mémoire. Là, j'ai des petits trucs. Donc, ça, c'est peut-être lié à l'humidité ou de l'humidité résiduelle qu'il y avait sur l'objectif. C'est possible, je pense. Enfin,
Vu comment ça c'est baveux ici, je pense qu'il devait y avoir un peu d'humidité directement sur l'objet et sur le verre. Mais globalement, l'image, ça va quoi. Enfin, franchement, j'ai fait une mise au point au fond là, donc ça a l'air d'aller. Par contre, le devant, effectivement, est tout flou, mais ça, c'est normal. Donc, a priori, sur ma Mia, ça n'a pas posé de problème. Et donc, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Par contre, oui, l'optique, clairement, il a fallu que je continue à la nettoyer parce que bah, le verre était froid, donc froid plus d'un coup chaud et très humide, ça condense, forcément. Donc voilà, les deux petites anecdotes sympathiques que j'avais sur le jardin botanique. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez le faire, alors je ne sais pas si j'ai la. Non, j'ai plus de photos du jardin botanique là. Mais la serre principale est immense, vraiment immense. Je ne sais pas ce que ça donne par rapport au jardin des plantes à Paris, au jardin d'acclimatation, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais j'avais fait les serres à une époque avec une exposition sur les orchidées, c'était magnifique aussi. Et j'y retournerai bien d'ailleurs au jardin des plantes à Paris, ça peut être très cool. Je pense qu'un jour je ferai une vidéo spéciale serre, parce que j'adore les serres. Vraiment, j'adore les serres. Je trouve qu'en fait, il y a un. En 2 secondes pour vous dire pourquoi j'aime ça, et essayer de le verbaliser un peu. Je pense qu'en fait, j'aime beaucoup le fait que bah, tu as énormément de végétation. Déjà, quand tu as pas mal de végétation, je trouve. Enfin, je sais pas. J'aime bien avoir. Typiquement, j'adorerais faire un shooting photo dans une serre. J'adore ça. Il y en a qui font ça le long des rails ou dans des coins d'urbex. Moi, je trouve ça pas très joli. Enfin, c'est pas ce qui me plaît en tout cas. Mais par contre, le faire dans une serre, je trouve ça magnifique. Et ce qui est cool aussi, c'est que, bah, en fait, il y a plein de. La lumière finit par être assez directionnelle aussi sur les endroits où on se trouve. On a aussi la structure qui est intéressante à exploiter. Il y a encore une fois ce vert en argentique qui ressort, à mon sens, mieux qu'en numérique. J'aime plutôt le vert qui ressort de l'argentique plus que du numérique. Et voilà. Et donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, je surkiffe ça. Pourquoi j'ai marqué aucune donnée? Non, c'est bon, ça a l'air de transmettre encore. Ok. Voilà, donc peut-être à l'occasion, je vous ferai des visites de serre. Mais par contre, pour finir sur les serres, pour un thermicien comme moi, parce que pour ceux qui ne le savent pas, du coup, j'ai pas que la photographie comme métier, je suis aussi ingénieur thermique dans une boîte. Mais pour un mec qui fait des audits énergétiques régulièrement, et là, visiter des serres, c'est moche, quoi. Parce que franchement, tous les vitrages sont en simple vitrage, pas du tout performants. Vous avez des radiateurs, mais les radiateurs, en fait, ils s'enchaînent. Je crois que j'avais pris une photo avec mon téléphone. Mais en gros, vous avez un radiateur, le tube, un autre radiateur. Enfin, et puis, c'est des gros trucs, hein, donc ça chauffe à mort, à mort, à mort. C'est un délire. Et c'est pas que je dis ça en découvrant les serres, mais c'est juste que maintenant, je le vois avec mon œil de professionnel du bâtiment. Et franchement, c'est horrible, quoi. C'est vraiment horrible, la déperdition thermique qu'il y a là-dedans et ce que doit coûter la serre tous les ans en chauffage. Enfin, bref, on s'éloigne du sujet. Ensuite, j'avais quoi? J'avais un peu d'Alexanderplatz. Donc là, j'aimais bien cette architecture d'immeuble. Et puis, j'ai un peu galéré à le cadrer quand même, parce qu'il y avait pas mal d'éléments perturbateurs. Mais vous voyez, en fait, on commençait, ce jour-là, là, on commençait, c'était le lundi, on commençait à avoir une lumière qui était un peu directive. Mais sinon, en fait, on avait un temps que comme ça, plus sombre et sans soleil. Donc, compliqué de faire des photos à ce moment-là. J'ai un petit peu d'Alexanderplatz, forcément. J'ai pris la place assez connue avec l'arrêt de train. Et derrière, alors vous ne le voyez pas, mais du coup, c'est le pied de la tour, la fameuse tour télé à Berlin qui rend la ville si iconique. Alors ça, je vous l'avais mis. Ah bah tiens, ça, je vous l'avais mis exprès. Ça, c'était les tests de la Lomo Métropolis. L'Omicron Métropolis. Avec du coup, alors un temps très pourri pour le coup. Mais je dois avoir une autre image. Si je dis pas de bêtises, je crois que je l'ai mise. Voilà. Et j'ai une autre image en fait faite avec la Lomo 800. Et vous voyez qu'on a vraiment pas du tout la même chose. Hop là. Je ne l'ai pas mis en face à face, mais je pourrais. Mais vous voyez qu'on a vraiment quelque chose de très. Ouais, limite. Pourtant, ça a été vraiment pris à peut-être 5 minutes d'intervalle, hein, maximum. Il y a une boîte au dernier étage de bâtiment, il me semble. Ok, bon, ça, limite, ça m'étonnerait pas. Je crois qu'il y avait un resto. Moi, j'avais entendu qu'il y avait un resto. Mais pour être très honnête, j'avais pas spécialement envie de payer hyper cher pour aller tout en haut. Un truc que je regrette aussi de pas avoir fait, je sais qu'il y a un bar-restaurant qui est dans le Kreuzberg aussi. Entre Tempelhof et le Kreuzberg. Enfin, le nord du Kreuzberg.
Et c'est un resto, enfin un resto bar-boîte où en gros vous avez une vue sur Berlin, qui n'est pas du coup dans la tour TV. Mais voilà, c'est un petit regret aussi. J'aurais bien aimé le faire celui-là. Mais bref, voilà, vous voyez que je vous remontre encore une fois la diff. Mais vous voyez bien quand même la grosse différence avec la Lomo. Lomo du coup que j'ai shooté, donc j'en ai fait une à, je sais pas si vous avez vu la vidéo que j'ai sortie du coup la semaine dernière. Mais donc j'ai fait une Lomo à Nantes et une Lomo à Berlin. Parce que j'ai pas eu le temps en fait de la shooter avant de partir. Donc j'ai dit à l'homographie, bah, je vous en shooterai une à Berlin, comme ça sera fait. Et donc voilà, donc les quelques images faites à Berlin avec la Lomochrome Metropolis. Je crois que cette image est une de mes préférées. Mais du coup, ouais, je suis plus parti sur ouais, de l'archi, et puis vraiment, j'ai utilisé le fait d'avoir un temps pourri en me disant bah, je vais vraiment shooter par temps pourri. Parce que pour le coup, je l'ai shooté avec un plein soleil. Et j'avoue, c'est ce que je dis dans la vidéo, en fait, en plein soleil, je trouve qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt parce que les couleurs sont très ternes. Donc ça, en fait, ça s'approche plus du moody au final. Mais vu que c'est un style que j'aime pas spécialement, en fait, voilà, je préfère en fait carrément l'emmener sur un temps. Pas très beau, voilà, qui et où la colorimétrie du film en fait va bien avec le temps. J'aime pas la colo sur un temps très beau. Après, sur des temps très beaux, on peut toujours s'arranger pour trouver des endroits où il y a moins de lumière, etc., et pour avoir quelque chose qui s'y prenne bien. Mais typiquement sur un temps comme ça, un peu pluvieux, etc., c'est cool. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il reste des places pour le workshop lomographie du 19 mars. Si jamais ça vous intéresse, les liens ne sont absolument pas dans la description parce que je crois que j'ai peut-être mis le lien vers les workshops quand même dans la description du live. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis il y a les autres workshops forcément qui vont arriver. Le workshop moyen format commence à se remplir sérieusement. Je crois qu'il reste plus que 2-3 places. Donc voilà. Tout ça. Et le film, et Washi aussi. De Washi est là. Et il a lieu le 21 mai, si je dis pas de bêtises. Donc là après c'est des photos. Alors cette série de photos là, les deux là que j'ai faites, je les ai faites vraiment quand je suis parti. C'est-à-dire que là actuellement, enfin là j'étais dans le train pour l'aéroport. J'ai vraiment eu un rayon de soleil vraiment qui est arrivé quasi pile quand je suis sorti de mon Airbnb et que je suis allé récupérer mon avion. En fait j'ai eu un beau temps. Enfin j'ai eu du beau temps, pardon. Et donc bah forcément j'avais mon boîtier avec une pellicule à finir, donc bah j'ai pas mal déclenché. Mais c'est pas les conditions idéales quand même. Donc voilà. Pareil avec. Bah, on retrouve souvent ça aussi en fait, cette configuration-là, avec des entrées, du coup, bah, vu que beaucoup de trains sont construits en hauteur, bah, en fait, vous avez souvent les accès qui sont vraiment le long des quais. Enfin le long des quais. C'est-à-dire que c'est quasiment toujours un accès central qui vous amène au milieu du quai. Chose qui est pas toujours, enfin qui est pas, je trouve, pas souvent le cas en France. J'ai pas l'impression en tout cas. Et je trouve ça assez bien fait au final. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça donne. Là, ça débouche pas sur l'extérieur, ça débouche sur le quai. Donc en fait, c'est du détail, mais c'est quand même des compositions qui sont légèrement différentes. Là, on voit vraiment le quai, l'horloge, etc., tous les éléments, avec une voyageuse ici qui était en train de descendre. Et puis j'aime beaucoup en fait, là on a vraiment cette lumière-là au centre qui dirige le regard. Et on a ce cadre dans le cadre qui est intéressant. Donc ça c'est la Lomo que je vous ai montré la dernière fois. Ça aussi c'était de la Lomo du coup. Hop là. Là on est encore sur la Lomo. Pareil, à la fin du lundi. En fait j'ai eu beau temps le lundi et le vendredi quand je suis parti. Et du coup fin de journée j'étais vers Friedrichstrasse, quelque chose comme ça. Vraiment en plein centre historique de Berlin. Je me suis un peu perdu entre guillemets dans les rues. Et je suis tombé sur cette compo où je trouvais que la tour télé ressortait vraiment pile entre les deux bâtiments. Et je me suis dit, tiens, allez, j'ai pas fait de photo de la tour télé encore, on va faire celle-là quand même. Donc voilà, avec ce petit contraste ici, très bleu, humide, enfin la rue encore humide, hein, bien sûr, forcément, on reste dans la thématique. Mais hop là, j'avais pas vu. Et avec ces bâtiments en fait derrière qui sont un peu baignés par le coucher de soleil. Avec une lumière qui est très 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 douce et de fin de journée, donc avec une teinte un petit peu orangée, c'est sympa.
Ici pareil, là c'est pareil, c'était juste après une averse, si je dis pas de bêtises. J'allais sur Potsdamerplatz et voilà, j'avais des rayons de soleil qui passaient. Alors dès que j'avais des rayons de soleil, bam, je sortais l'appareil photo et j'essayais de trouver des compos intéressantes. Mais voilà. Avec cette moi, ce qui m'a rendu dingue, c'est cette architecture qui y a du rond, il y a du. Ici, c'est des formes comme enfin, qui sont plus en triangle, beaucoup de verre, etc. Enfin bref, ça a attiré mon regard. Ici, pareil, alors là, on les remonte chronologiquement, on va dans l'autre sens. Mais voilà, la plateforme supérieure de la station de métro dont je vous ai parlé juste avant, avec ce beau métro jaune là, et avec le reflet du conducteur qui a attiré mon œil aussi. Donc Glace Drake, voilà. Pareil, je constitue aussi des images pour la série du futur bouquin. Donc du coup, celle-là, on fera probablement partie. Donc là, pareil, c'est en sortant de la station de métro, la station de métro étant ici. Et donc vous avez, ça c'est la première partie qui va dans un sens, et puis l'autre partie avec la verrière qui va complètement à 90 degrés. Voilà, ici pareil, c'était un. Je sais plus, c'était un parc que j'avais vu, où en fait c'est juste une. Enfin, c'est une zone industrielle qu'ils ont laissée, c'est une friche industrielle en fait, qu'ils ont laissée comme ça, et où en fait vous avez pas mal de passages de trains aussi, pas très loin, et du coup bah, voilà, il y a des comment ça s'appelle, des tours de, je sais pas comment on appelle ça, c'est des tours de contrôle mais pour train quoi. J'avoue que je sais pas trop comment ça se nomme, des postes de contrôle j'imagine, et donc du coup voilà, il y a un skatepark qui a été fait, donc un père qui était là avec ses deux gamins, je trouvais ça chouette. Et là on va attaquer les photos de noir et blanc qui sont la fin de la série. Tu as fait des photos de street art? J'ai fait des photos de street art, alors non. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est la réflexion que j'avais en fait quand j'ai traité les photos des États-Unis, que j'ai pas fini de traiter d'ailleurs. Mais c'est une des raisons qui. Enfin, je me suis rendu compte de ça quand j'ai shooté aux États-Unis, c'est-à-dire que j'avais fait des photos de street art, donc des œuvres à proprement parler. Et en fait, plus ça va, plus je trouve ça inutile, alors, sans forcément mauvais jugement. Enfin. Un jugement négatif de la part des gens pour les gens qui le font. Mais je trouve que c'est pas hyper intéressant dans le sens où j'ai un peu l'impression juste de reprendre une photo d'une peinture en fait. Et là où je trouve que c'est véritablement intéressant, un poste d'aiguillage, ok. Là où je trouve que c'est vraiment intéressant, le street art, c'est quand il est mis en contexte dans les photos. Et c'est clairement pas évident à faire parce que là en fait, pour moi, vous êtes à mi-chemin entre la photo, la street photo, l'architecture. Et du street art. Et en réalité, pour mettre en avant vraiment une œuvre de street art, c'est, en tout cas dans son environnement, ce que je trouve le plus intéressant personnellement, c'est difficile. Donc après, j'en ai vu, hein, j'ai vu quelques œuvres de street art et tout, j'en ai vu, il y en a plein à Berlin, t'as pas besoin d'aller très loin. Mais j'en ai pas fait, j'en ai pas fait des masses, voire même pas du tout. En fait, je me suis juste contenté soit de les prendre avec mon téléphone. Soit de les regarder tout simplement. Et là du coup c'est donc les photos de noir et blanc que j'ai faites. Alors il y en a une partie que je n'ai et que j'avais scannée mais que je vous présente pas en fait dans la série finale, pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte après avoir scanné qu'il y avait pas mal de poussière sur certaines d'entre elles et que les poussières étaient très visibles. Normal parce qu'il y a beaucoup de zones où en fait j'étais, enfin c'était très noir, donc si c'est très noir ça veut dire que c'est transparent sur négatif, et la moindre poussière blanche, enfin la moindre poussière elle va se voir direct dès que vous allez passer en positif. Donc j'en ai quelques-unes à rescanner que je voulais faire aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Et cette photo, alors elle n'est pas représentative spécialement du lieu où j'étais parce que clairement j'avais pas la focale pour, ni d'ailleurs les conditions de lumière. Je voulais vous montrer ça quand même parce que. Ça vaut le détour. C'était. Alors attendez. C'était à Friedrichstrasse, je crois. Hop là, c'était par là. Que je me souvienne. Il y avait un hôtel ici. Un petit muséum. Où est-ce que je l'ai vu? Aquedome et Sea Life. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'essaie de me repérer en même temps.
Versailles, Berlin, Alexanderplatz, c'est pas là que je suis allé. En fait, vous avez un. Enfin, bref, tout ça pour vous dire que vous avez un hôtel. Je peux peut-être le. Il va le trouver très vite. Voilà, c'est ça. En gros, donc, bon, voilà, tout ça pour vous montrer ça. En fait, voilà. Vous avez un hôtel à Berlin. J'ai appris ça quasiment avant de partir. Vous avez un hôtel où dans le hall d'entrée, vous avez un aquarium. Mais un aquarium, un gros aquarium, quoi. Enfin, pas l'aquarium qui fait 1 mètre cube, quoi. C'est un bel aquarium. Et je crois que c'est. Ouais, voilà. Ah oui, il y a même un ascenseur à l'intérieur. Voilà, j'avais même pas toutes les infos. Mais il y a un ascenseur au cœur de l'aquarium le plus grand du monde. Alors après, je sais pas, en termes de stats, ça s'appelle l'Aquadome. Peut-être plus de. Hein, inauguré en décembre 2003, l'hôtel Radisson à Berlin. Donc si jamais vous voulez aller voir. Le plus grand aquarium du monde intégré à un hôtel et en incluant un récif de corail constitué d'un gigantesque cylindre de verre acrylique de 25 mètres de haut. Il domine de son imposant volume tout l'intérieur de l'immeuble et abrite 2 500 poissons tropicaux. 1 million de litres d'eau salée. Il est possible d'accéder à la partie supérieure grâce à un ascenseur installé au centre du cylindre. Voilà. Donc moi ça m'a un peu bluffé, je vous cache pas. J'en ai fait une photo avec mon téléphone parce que j'avais la possibilité de mettre le grand angle, d'où l'intérêt quand même d'avoir son téléphone quand on fait quelques photos, même argentiques. Et par contre, voilà, la seule photo argentique que je sors de ce moment-là, c'est en fait vous devinez à peine le haut le bas de l'aquarium. Mais ce que je trouvais très cool, c'est vraiment l'ambiance était vraiment géniale. Je trouve qu'elle n'est pas vraiment retranscrite là, j'avoue, dans la photo que j'ai faite, mais c'est à peu près la seule que j'ai de cet hôtel-là. Et surtout, en plus, j'ai eu littéralement 1 minute parce qu'en fait, je suis arrivé, je me suis quand même signalé en disant oh, je suis photographe, je vais faire des photos dans votre hôtel. Et le mec m'a dit clairement, mon boss est dans les parages, donc dans 1 minute, t'es parti, quoi. Donc j'ai vraiment fait vite pour que le mec ait pas d'ennui. Et j'ai essayé de cadrer avec mon 40 mm, mais ça j'avais pas assez de recul. Mais par contre, c'est hyper stylé, c'est-à-dire qu'en plus, la partie des chambres d'hôtel, du coup, enfin, des chambres qui donnent. Sur le hall principal. Je ne sais pas si toutes les chambres donnent sur le hall principal, mais en tout cas celles qui donnent dessus, c'est magnifique parce que clairement, enfin, vous avez une espèce de balcon et enfin, déjà l'intérieur est très stylé, enfin, en termes de décoration, c'est magnifique. Mais en plus de ça, vous avez ce bleu là qui inonde tout le hall, c'est franchement super. À entretenir et énergétiquement, c'est une autre histoire, mais ça doit être magnifique. Enfin, c'est magnifique. Là, c'est pareil, en fait, c'est issu de. Donc là, toutes les photos noir et blanc, globalement, c'est des choses qui sont issues des photos que j'ai faites dans les stations de métro à Berlin. Donc je vous les passe vite, de toute façon, vous les verrez dans la vidéo. Mais voilà, j'ai essayé de faire des choses avec le 40 mm, qui est un objectif que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc ouais, je vous les passe rapidement. Là, pareil, alors là, je suis un petit peu déçu, je pense que ça apparaîtra aussi dans la vidéo, mais j'ai fait des photos du coup de la gare centrale de Berlin, qui est un truc immense, et qui surtout, en fait, quand vous arrivez avec le S-Bahn, justement, vous dites, ah, c'est cool, déjà le dôme en verre est énorme, et surtout, il y a un nombre de voies impressionnant. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'en fait, quand vous sortez, que vous descendez, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a genre 4 ou 5 étages comme ça qui descendent tout en profondeur. Et en fait, vous avez une. Je pense qu'en soi, ça doit donner à peu près la même chose hein, sur un Châtelet-Les Halles ou un Gare du Nord à Paris. Mais c'est juste que là, en fait, toute la partie escalator, etc., tout ça est visible. Et en fait, vous voyez vraiment le fond de la gare avec bah, les trains, possiblement les trains de banlieue ou les trains de grande ligne. Et c'est vachement impressionnant. Là, ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, sur ces photos-là, la partie du fond est vraiment très sombre. Donc en fait, on ne distingue pas vraiment le fond de la gare, mais c'est assez impressionnant. Et puis après, les dernières images que là vous verrez, c'est les images que j'ai faites à l'aquarium, et je crois que c'est à peu près les trucs dont je suis fier d'avoir fait des photos là-bas, parce que très clairement, l'aquarium ne vaut pas spécialement le coup, dans le sens où, ok, il y a des espèces très sympas à voir, hein, mais je veux dire, si jamais vous demandez si vous voulez faire le zoo et l'aquarium de Berlin. Le zoo, je l'ai fait il y a quelques temps, enfin il y a 10 ans du coup. Je me souviens plus très bien, puis je l'ai fait en février aussi. Donc, bah pareil, moi, le seul souvenir que ça m'avait laissé, c'était que globalement, les animaux n'étaient pas forcément dans leur climat, ou alors hibernaient beaucoup. Il y en a beaucoup qui disent ça aussi, c'est que le zoo de Berlin en hiver, le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux qui hibernent. Donc voilà. Tiens, j'avais pas vu le python derrière. Je m'étais focalisé sur l'iguane.
Mais voilà, mais du coup, il y a quand même bon, des vivariums assez sympas à prendre en photo. Donc voilà, j'ai fait quelques photos à l'intérieur. Mais en tout cas, si jamais vous demandez si le zoo et ou l'aquarium sont intéressants à faire, pour l'avoir fait, je vous le conseille pas. Enfin, ça ne sert à rien. En plus, c'est excessivement cher. Les musées, globalement, à part quelques musées gratuits, sont quand même assez chers à Berlin. Donc oui, c'est une ville sympa pour faire des musées, mais c'est une ville chère aussi pour faire des musées. Donc voilà, petit conseil aussi au passage si jamais vous vouliez faire des musées à Berlin. Je crois que là, l'entrée de l'aquarium était à 16 balles, je crois. Je trouve ça assez cher. Même si je sais tous les coûts induits que enfin, j'imagine en fait tous les coûts induits que ça provoque. Ouais, c'est quand même un peu violent. Voilà, donc là on a fait le tour des images. Je vous invite à me poser les dernières questions, si jamais vous en avez, ou si vous voulez réagir, je sais pas, comme vous voulez. Putain, on a une photo de là. Oh là, comment c'est stylé. Oh la vache. Avec ma copine, on s'est dit que la prochaine fois qu'on ira à Berlin, on se paierait une nuit là-dedans. Parce que c'est quand même. Même dingue. Bref. Je vous attends encore un peu sur les questions, si avec le décalage. Si jamais. Et moi je vais aller voir du coup Ikuzo là, je connaissais pas du tout. Et peut-être que du coup. For Creative Travelers. Ah oui, c'est ça, en fait, ça doit être. Ok, c'est tu dois pouvoir mettre des spots avec des photos du lieu, etc. Je pense que ça doit être pour ça, peut-être que c'est intéressant. Mais je regarderai du coup. Je regarderai avec intérêt. Oh, mais c'est total magnifique. Mais ouais, du coup, conclusion de tout ça sur Berlin, si jamais je devais conclure ce petit live, c'est que déjà, je pense très honnêtement que je ne ferai pas spécialement de vidéos sur Berlin, même si j'ai plein de rushs, même si j'ai plein de trucs à vous montrer. Je pense que c'est. Je pense pas trouver un angle suffisamment intéressant pour faire une vidéo. Par contre, je vous ferai la vidéo sur le métro, parce qu'il y a des trucs. Content de certains trucs que j'ai sortis et je pense que ça peut être intéressant, ça peut être un angle intéressant en tout cas de vidéo. Et puis du coup la troisième chose c'est que quand j'aurai terminé le bouquin, je vous ferai probablement une vidéo sur Helmut Newton du coup. Voilà, en vous expliquant globalement qui il était, enfin en essayant de vous résumer un petit peu sans faire une vidéo trop pompeuse, mais de vous faire une vidéo et puis en mixant parce que du coup j'ai fait quelques plans au musée de Berlin. Ou d'ailleurs les vigiles, enfin les surveillants m'ont absolument pas fait chier pour sortir mon téléphone, etc. Donc c'était cool. J'ai pu faire un peu ce que je voulais, prendre des photos justement, des trucs qui m'inspiraient un peu et qui me faisaient tilt pour une vidéo, donc je me suis dit que j'allais les prendre. Bref. Voilà, et ben je vois pas de questions sur le chat. J'espère que c'était cool pour vous. Moi c'était cool pour moi. L'idée c'était de vous transmettre et de vous partager un peu le voyage, voilà, si jamais vous aviez des questions, des éléments à apporter sur Berlin, si jamais il y en a qui veulent tester la ville. En tout cas, le magasin argentique de la ville est hyper cool. Et puis surtout, ça dépanne quand vous avez besoin d'aller chercher du fil, c'est cool. Voilà, je ne vais pas blablater plus longtemps. Je vous souhaite une bonne soirée. Je pense que je vais laisser le live encore à. Peut-être quelques jours, je sais pas trop en fait si je vais le laisser en public. Peut-être ouais, une semaine ou deux, je vais peut-être le laisser et puis après je le virerai. Parce que c'est assez éloigné de ce que je fais sur la chaîne. Mais voilà, j'avais envie de vous le partager dans tous les cas. Ce qui est sûr, encore une fois, c'est qu'il n'y aura pas de vlog comme j'avais fait pour l'Italie. Voilà. Je vous fais des grosses bises, pardon, pas des grosses bises. Parce que je parle allemand encore. Et puis à la prochaine. Vidéo de la semaine prochaine d'ailleurs avec Nico DT. Et j'ai vu la vidéo qu'il a faite et du coup je lui ai montré la vidéo que moi j'avais faite. Et je pense que vous allez kiffer. Autant la sienne que la mienne. La sienne est vraiment 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 très très cool. Et je vous la conseillerais et je vous la repartagerai en masse sur les réseaux parce qu'elle est très très chouette. Et voilà. À plus. Salut.